énorme athlète. Il a besoin d'être épaulé et en cas de blessure de l'Auvergne ou de toute sa pâle, on manquerait de taille à l'intérieur pour l'Asvel. Allez, bien joué. Adresse à 3 points. Mais ce dernier est toujours pour le portel. Un peu moins de 4 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Il faut aller très très vite. Ronald Curry justement, la deuxième chance. Énorme compte derrière. Magnifique. Terry Allen. Nikolic. Et Zeko ici. Voilà pour les 5 hommes sur le parquet. Je vais bien rentrer dans le deuxième quart-temps, de ne pas laisser l'Asvel prendre ce matelas d'avance qui pourrait faire mal tout au long de la partie. Les 10 points. Les fameux 10 points, bien joué. Ryan Balsegro, bien joué. Zeko ici 25, Mike Sell 25 également, donc voilà, on a des joueurs qui ont encore de quoi apprendre et on apprend beaucoup quand on joue face à l'Asvel, face à des joueurs aussi talentueux. C'est Youssouf Fafal et Anthony Polite, mais qui sur la feuille de match qui pourra jouer. Donc KUD et Jackson Cartwright, voilà les deux hommes qui ne sont pas présents sur la feuille de match du côté de l'Asvel. Derrière, et la faute sifflée et les lancers francs. Ça lui a pas sauvé. Pour l'instant les tentatives de Nando De Colo n'arrivent pas à destination. Le point supplémentaire et ils réussirent surtout derrière. Et ben voilà, une deuxième fois, c'est Ronald Curry 2 sur 8 pour cette formation du portel à 3 points. Attention, Youssouf Fafal, on se demandait. Amine Noua, on avait peu vu en première période, il n'avait joué que 3 minutes. De Colo, le tir à 3 points, ça rentre dedans, magnifique, Nando De Colo. Et Youssouf Fafal qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Allez, la contre-attaque peut-être à venir avec le portel. Mangin, catch and shoot, à 3 points, ça passe pour Benoît Mangin, bien joué. Et joli la fin, bien joué. Et le gros dunk magnifique de la part du Néerlandais Emmanuel Zekouiki, ou Zekouissi, pardon. Et bien joué, bien joué. Avec Antoine Diot. À 3 points, le gaucher ça ne rentre pas, rebond offensif et une nouvelle fois Youssouf Fafal va compter, chaque seconde va être importante, il ne faut rien gâcher dans ce quatrième carton de part et d'autre avec deux objectifs totalement différents hein. Bien sûr dans cette partie, allez de l'adresse, enfin de l'adresse trouvée par l'Asvel. Et bien joué le tir à mi-distance de la part d'Emmanuel Nzewesi du portel ce soir avec son coéquipier Manuel Nzekouissi. Et rien n'est fait dans cette partie. Et attention l'interception. Et derrière Nzekouissi. Bien joué Emmanuel Nzekouissi. Au Bassoane. Ouais, De Colo, le ballon perdu. Et derrière deux points faciles pour le portel qui prend l'avantage. Écoutez cette ambiance au chaudron. Très très difficile pour lui, peut-être encore fatigué. Du match face à Milan il y a 48 heures. Regardez le contre derrière de la part du Néerlandais Nzekouissi. Quel homme ce soir ce Nzekouissi. Le voici une nouvelle fois face à Youssouf Fafal. Ah, il essaye ce qu'il peut. Ah, mais il est contré par Youssouf Fafal forcément. On se rattraper peut-être, hein, passer par Minoua, le genre triangle avec Youssouf Fafal. Elle est trop fort Youssouf Fafal. Il est trop grand surtout Youssouf Fafal. Et il permet à Vellervan d'égaliser. 77 partout, le temps qui s'écoule vite. Et la question c'est est-ce que ça va venir. Ça, c'est une autre paire de manches. On va le voir dans un instant. Au Bassoane à 3 points, 45 degrés. Voilà. Et eh ben ça vient au Bassoane. On se demandait qui pouvait faire. Il a vu Benoît Mangin peut-être dans son dos. Voilà qui est fait. On repasse par Curry, bien joué, ballon qui circule très bien. Le tir à 3 points derrière pour égaliser à 80 partout de la part de Ryan Maxell. Et il demande du soutien. Curry pour libérer l'espace dans la raquette. Nzekouissi, bien joué, le tir à mi-distance de la part du Néerlandais de 25 ans. Nzekouissi de Nando De Colo, peut-être au Bassoane qui a été bon ce soir. Mais il hésite au Bassoane, le spin move dans la raquette, il ne sait pas quoi faire. Le contre de la part de Ryan Maxell. Quelle séquence défensive de la part du portel. Pourquoi pas le N1 hein, d'ailleurs avec la puissance d'Nzekouissi. Et malheureusement, on va s'en contenter de cette fin de match. Et c'est la victoire de l'Asvel. L'Asvel